Jean grand moun yon remè dil, apre dans, tamboulou. C'est pas menti. Depi apre 13 janvier 2020 ki te marqué, dysfonctionnement parlement haïtien, exécutif lan ap dirigé par décret. De janvier 2020 à décembre 2020, li adopté plus passé 30 décrets dans différents domaines d'intervention. Tant qu'au régime matrimonial, droit de sûreté, nouveau code pénal haïtien et la trier. C'est pas parce que c'est autorité tout ça fait ses lois. Alors messieurs dames, les autorités de l'État nous wow. Bonjour bonsoir, bienvenue à tout abonné nous yo. Déjà moi invite partager vidéo à dans différents groupes. Invitez l'autre ami, vin prend bon gens information ak formation sous taxe 509 tout haïtien connecté. C'est encore YANICK. Je me suis fait le plaisir aujourd'hui de vous accompagner durant toute l'émission pour vous aider à comprendre les enjeux, les risques qui coexistent dans précisément deux décrets de l'exécutif. Premier décret, c'est décret qui crée Agence nationale d'intelligence AMI. Et deuxième décret, c'est décret pour le renforcement de la sécurité publique. Comme je toujours dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je dis, je viens intervenu sous deux décrets, ça qui c'est deux bonnes initiatives, mais c'est deux malais pendus, tout deux épées Damoclès qui a pendu sous tête peuple haïtien. Dans l'allocution, président Jovenel te fait une date qui était 19 janvier 2021, côté elle te déclaré que Agence nationale intelligence ANIA opérationnel. Ça a suscité dans moi un intérêt pour me reprendre travail d'analyse moi sous décret qui crée agence là. Mais avant tout, faut que nous connaissions que tous deux décrets, ça, c'est deux décrets importants. Parce que, premier décret, li crée instance là, qui c'est ANI. Et deuxième là, li là pour déterminer infraction ANI a bien pour traiter. Yo. Avant même aller plus loin, faut que signaler que décision exécutif là pour la gouverner par décret, c'est un affront à la Constitution. Parce que, li violé. Principe démocratique, li viole respect valeur démocratique yo, et ça pas fait partie attribution président. De ce fait, c'est des décrets qui manifestement illégal. C'est vrai que nan souci pour établir la paix, bon jan sécurité, la bonne gouvernance, exécutif la adopté plusieurs décrets. Et décret sa yo rive produit en pile réaction ni dans population civile là, ni dans opposition politique là, ni dans communauté internationale là. Mais malgré tout, ça pas jamais inquiété président Jovenel, la poursuivre route li tête droite. Corps groupe là te fait sortir en note côté que li te avisé exécutif là que deux décrets sa yo yo relevé exclusivement de pouvoir parlement gain. Et yo pote atteinte ak droit civil et politique peuple haïtien. Et c'est vrai pour plusieurs raisons, mais exécutif là pas décidé faire bac. Président Jovenel, gouvernement te décidé rete ferme sous décision yo, yo pas décidé retourner bac sous décret. En pile fois, nous même haïtiens nous réactifs. Dans qui sens? Des fois nous pas même prendre le temps, nous pas prendre le soin pour nous comprendre réalité nous là dedans là. Nous tellement fanatiques, nous a plongé tête droite nous en danger et leur a essayé retirer nous la dalle, nous estomaqué. M'ta reme chaque grand monde qui a regardé vidéo là, chercher consulter décret qui crée Agence nationale d'intelligence ANI. Pour qui ça? ANI c'est une agence de renseignement qui l'a pour collecter information sous population pour des raisons de sécurité publique. C'est bien? C'est bon. Pas de problème. Mais tout Même agence ça décret à bali le plein pouvoir sous bien ak vie chaque individu, chaque citoyen. Comme nouveau décret ça vient empiéter sous pouvoir judiciaire là. Parce que chaque agent de renseignement a ni gen même fonction, même rôle ak yon officier de police judiciaire. C'est-à-dire agent ça, li joue rôle policier, li joue rôle commissaire du gouvernement, li joue rôle juge d'instruction. Agent de renseignement ça yo, yo gen droit enquêter, yo gen droit procéder avec des saisies, yo libre pour yo faire ça yo vle au nom de la sécurité du territoire.
Vu que décret a gen en finalité de surprotection pour agent yo, c'est sûr que a toujours gen des violations de droit, a gen des violences physiques qu'a fait dans cadre de collecte d'informations ça yo. A mis en quelque sorte réduit dans liberté chaque haïtien par rapport à immunité agent yo gen dans cadre exercice fonction yo. Par exemple, yon agent de renseignement nan ANI passible de poursuite légale si et seulement si président ba autorisation pour sa fête. Donc déjà là, ou ka envisager quantité impunité ki ka gagner si un agent ta décidé faire répression au nom de la sûreté de l'État, au nom de la loi. Mien impression le haïtien tande yo gen agence de renseignement, yo content, yo fait fête. Yo dit tete pourquoi pas? Si l'autre pays yo gen FBI, gen CIA, gen Mossad, pour qui ça Haïti pa ka gen pal? Cependant, il aurait fallu que nous respections ça la loi dit pour nous arriver préserver intérêt collectif là, créer une agence d'intelligence qui net de tout soupçon. Et là, c'est pas le cas. Maintenant, si n'a considéré décret sous sécurité publique là, nous pral loin à qui le danger population exposée. Véritable danger qui gagne un décret pour le renforcement de la sécurité publique là, c'est que exécutif là bafoué de manière consciente droit à liberté chaque haïtien gagne pour revendiquer pour défendre intérêt yo. Nous avons une chance li yon lettre plusieurs eurodéputés écrit à la Commission européenne là pour dénoncer passivité gouvernement haïtien nan faire lumière sur plusieurs cas assassinats massacres qui fait dans pays là. Yo dénoncer également mauvaise foi exécutif là nan façon l'écraser parlement pour le diriger par décret. Tout ça c'est pour nous faire nous comprendre que gen yeux kap gade nous. Malgré nous prend plaisir pour nous dire que la communauté internationale la kouri Jovenel, c'est vrai la kouri gouvernement, c'est vrai la kouri président, c'est vrai la kouri mandat présidentiel là, mais tout y a gardé violation droit moun ka fait dans pays, y a gardé illégalité texte, y a gardé inconstitutionnalité texte. Nous gen intérêt pour nous faire ça n'affaire, pour nous faire le bien, pour nous faire le propre, pour nous faire l'intérêt collectif. En pile fois, c'est parce que nous trois partisans qui fait nous pas carré problème yo. C'est parce que nous trois partisans qui fait nous fermer les yeux nous sous violation droit moun ka fait chaque jour dans pays. Pendant que l'autre pays prend très au sérieux terminologie terrorisme là, nous même pas boy ici, nous préférer dénaturer et ramener à des délits et des crimes de droit commun, tant qu'au vol, extorsion, incendie, destruction et dégradation de biens publics ou privés. C'est autant d'infractions que journée jodian nous considérer comme des actes de terrorisme. L'on a met barricade dans la rue, détention d'armes illégales avec toute munition, ça veut dire l'on pote ni armes qui pas en règle, l'on a cartouche qui pas en règle. Yo même étant ni avec des conducteurs qui consciemment ou inconsciemment transporter des passagers qui gagnent armes ou bien munition illégales dans main yo. Yo tout yo considéré yo c'est terroriste. Et décret à tout, il prévoit des peines qui louent et des amendes qui extrêmement extravagantes. Amende là, il entre 2 millions et 1 milliard de goudes. Et peine de réclusion criminelle là, il aller entre 30 et 50 ans. Donc là, nous clair, c'est pas yon jouette. Pendant nous comptons, président créer une nouvelle agence de renseignement. Nous devons connaître tout dans le budget. Chaque ministère gagne l'argent qui était toujours disponible pour renseignement. Qui sa autorité ou règle à l'agence ça, nous pas connaît. Et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, peut-être on le map tourner sous ça, mais jodi a m'a prêté sous décret qui crée agence nationale d'intelligence ANIAN et décret pour renforcement de sécurité publique là. Et pour nous comprendre que pendant exécutif l'a cherché prouver bonne intention pour établir la paix dans pays, c'est de même la restreindre dans droit constitutionnel nous. C'est vrai, barricade pas avenir. Fait manifestation chaque jour sans aucun résultat, pas jamais il en rien. C'est vrai que intimider population pour être la caillou pendant n'a manifester, c'est violer droit toute une nation. Mais décider que moun qui met barricade là, c'est un terroriste, là c'est trop. Deux décrets ça yo vinn modifier net, yo modifier carrément corpus juridique nous. Ça veut dire qui ça? Nous en face deux décrets qui d'une part, porter des changements incompatibles avec droit pénal noir et d'autre part qui violent liberté individuelle chaque haïtien. Parce que décider créer une agence de renseignement, c'est bien,
mais li doit faire dans respect constitution ak principe établi yo. C'est pas seulement décider prendre des initiatives cap permettre ou camper en face adversaire pour faire respecter droit, pour faire respecter mandat ou. Mais faut qu'on connaît tout, même adversaire ça yo, yo pral utiliser des boucliers pour défendre intérêt yo et bouclier en ces peuple. Que l'opposition, que le gouvernement, yo a pu utiliser population, yo a pu utiliser une population qui vulnérable, yo a utilisé une population qui pas formée, yo a pu utiliser un peuple qui réactif, yo a pu utiliser un peuple qui partisan j'ai fermé. Monsieur en pile nan nous tendez parler de Annie. Nous tendez parler de ajans, mais nous pas jamais connaît qui ça l'a réglé, nous pas conscient de piège qui caché derrière ajans ça parce que autorité l'état yo choisi ignorer principe la loi. Pour moi ajans Annie c'est un accro total avec principe légalité des incriminations. Jodi an nous gagnons un exécutif qui aveuglé par l'envie de bien faire, par l'envie de diriger et qui choisit à coucher n'importe tétenade by population. Mes amis, avant pour le gouvernement réagir, m'a parlé en connaissance de la loi. M'a parlé contre idéologie président Jovenel, m'a parlé pour opposition, m'a parlé en connaissance de la loi, m'a parlé en vertu du droit. Et ceci, les retombées yo a fait, yo pa pral vin identifier chaque grain citoyen en raison de appartenance politique yo, mais plutôt parce que tout moun a sujeti à un même règlement. Principe lan dit pa gen peine sans loi. C'est vrai que décret a qui sous renforcement sécurité publique lan, li prévoit des infractions avec des peines. Peine sa yo pa applicable vu que code pénal nou gen la, li pa prévoit peine sa yo. Est-ce que nous comprenons? Nous avons un code pénal là qui pas prévoit peine qui prévu dans décret sous renforcement sécurité publique là. De ce fait, c'est corvé qu'a fait, c'est lavé messie à terre. Peine qui dans décret li ka applicable jusqu'après 2 ans le nouveau code pénal rentre en vigueur. Tout ça pour vous dire, malgré tout inconfort qui gagne dans 2 décrets qui illégal ça yo. Dépousser de l'écran, ou ap pran code, ou ap juge, ou ap condamné. Si vraiment li important pour l'exécutif la créer yon bon climat sécurité, pour l'établir la paix dans respect valeur démocratique yo, dans respect valeur démocratique yo, la primordial pour yon pran constitution comme boussole, pour yon privilégier compétence dans cadre travail législatif et réglementaire yo, parce que jusqu'à date, administration Jovenel là ne fait que bafouer les libertés et garanties constitutionnelles de nos chers concitoyens haïtiens. Donc, malgré gen bonne volonté, bon côté exécutif là, pour assujettir nous à de nouvelles règles, mais tout faut que ça fait dans respect maman loi nation, faut que ça fait dans respect constitution. C'est vrai que société a évolué, infraction a évolué, faut que peine a évolué. Mais c'est pas en raison pour n'a poté bourré, pour n'a décider n'importe quoi, n'importe comment. Il ne sera jamais question pour un gouvernement, pour un exécutif de privilégier ses intérêts personnels au détriment de la population, au détriment de l'intérêt collectif. Donc, je dis à ça qu'arrive, ou pour un décret, ou sous gouvernement, ou sous régime, li applicable, c'est sûr que illégalité décret, inconstitutionnalité décret, a permettre que dans le temps, la cassé, la permettre que dans le temps, principio rétabli. Pas une nation sans respect constitution, pas une nation sans respect valeur démocratique, sans respect liberté et garantie constitutionnelle. De ce fait, l'important pour peuple te konnen danger qui gagne dans décret qui crée agence nationale d'intelligence ni dans décret sous renforcement de la sécurité publique lantou. M'espérer que nous prenons note et toujours été vigilant dans action, dans réaction, dans comportement nous pour pas attendre yo nan rele nous terroristes. Encore merci pour attention nous, pour temps nous. M'espérer que jodi an nous vraiment satisfait parce que moi-même, m'te bay tèt mwen le devoir pour m'vini informer nous, m'satisfait de travail m'fè.
De ce fait, pour nous encourager travail, continuez à partager, quittez un commentaire, quittez un like, invitez l'autre ami, rejoignez TAC 509, agrandissez la famille en plus, et le ça, plus compatriotes nous ont besoin de bonnes informations, le ça, n'a pas qu'à compter sur chaque grain haïtien nous, n'a pas qu'à compter sur chaque grain frère nous, dans Nouvelle Haïti. Merci, à très bientôt.